Mario Cassi pour Subito Presto. Action. Figaro. Modernité. Blalla. Ah, c'est difficile ça. C'est trop. C'est méchant en plus. Avec Maestro Z, j'ai eu un grand merveilleux rencontre, mais une seule fois, dans Figaro. Mais avec Muti, c'était vraiment une liaison qui a duré trop longtemps il est resté dans ma cœur et je suis toujours en attente de le retrouver. Donc, Riccardo Muti, pour toujours. D'abord, il faut lui dire pas public belge, mais public liégeois, parce que bon, Liège, c'est ma seconde ville, c'est ma famille, donc aucune excitation. Pas pour que je réponde à vous, mais les Italiens aussi, on sait qu'à Liège, je suis à la maison. À Liège, sauce lapin. À l'Italie, sauce tomate. Les deux. A déçu beaucoup de Belges, mais à la Belgique, je ne suis pas amoureux des bières belgiques, qui sont fameux par tout le monde. Et moi, n'est-ce pas moi, mais je préfère les bières allemandes. Donc, je répondrai, mais je suis le seul Italien qui dit ça. Alors, vin rouge. Instagram, je ne l'ai pas, donc Facebook. Ah là là, ça dépend d'un moment. Dans ce moment-là, Verdi. Avec Roberto, j'ai fait un grand succès à Paris dans l'Elixir d'amour, donc Roberto. Pigeonnier. C'est pas possible de choisir aussi là. C'est les deux toute la vie. Ça, c'est intéressant parce que pour moi, pour donner des émotions, il faut avoir une grande technique. Les collègues qui sont amis. Toujours se dépasser. La maison d'opéra, par hasard, c'est la place où je me sens mieux, où j'ai moins de stress, où je m'amuse, je me relaxe. Donc, c'est toujours bizarre, mais je suis à mon aise beaucoup plus à la maison d'opéra qu'à la maison. Les matins. L'apéro avant d'y aller à l'opéra ou à les concerts. Merci à vous. Sympa, bravo.